Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne de cuisine Emerald TV. Voilà ce que je vous présente aujourd'hui. Ce sont des très très belles crevettes. Voilà, telles que vous voyez. C'est une recette très facile que je vous ai faite aujourd'hui. Vous allez suivre dans cette vidéo. Après avoir nettoyé mes crevettes, je vais mettre un peu de beurre dans ma poêle ou dans la marmite que je vais utiliser. Donc là, je mets 2 cuillères à soupe de beurre salé. Voilà, je vais pré-cuire mon beurre. Je ne vais pas trop chauffer cela et je vais rajouter 1 cuillère d'ail râpé ou découpé. Ça dépend de tout un chacun. Voilà. Je ne vais pas laisser ça cuire très fort parce que le beurre brûle très facilement. Et je vais directement rajouter mes crevettes. Mes crevettes, je les ai déjà assaisonnées, nettoyé et assaisonné au préalable. Donc j'ai mis du sel, je mets du poivre, j'ai mis de l'oignon, de l'ail et du citron sans oublier. Voilà, tel que vous voyez, je les mets dans ma poêle et je vais les cuire à feu doux, feu moyen. Dans ma précédente vidéo, je vous ai dit que les crevettes sont très fragiles, très sensibles dans la cuisson, c'est-à-dire il faut pas que ça cuise trop fort. Donc, de façon qui est Kuba, vous souvenez quoi, ma cassie. Donc, vous allez préparer ça lentement, mais sûrement à feu doux. Cette recette, elle est top. Donc, dans 5 minutes, au Lambi Biloko, et Beli, voilà, bah, visiteurs en urgence et tout. C'est vraiment quelque chose de très simple à faire et ça s'accompagne avec tout. Voilà, là je vais ajouter mes oignons. J'ajoute mes oignons. Je vais sauter mes oignons aussi. Toujours à feu doux. Quand vous verrez que toutes mes crevettes seront renfermées en soi, et je mettrai encore un peu d'ail et de gingembre râpé. Voilà, toujours à feu doux. Je vous l'ai dans ma cuisson. C'est vraiment rapide. Moi, j'aime bien manger cela avec du plantain ou bien avec une bonne chikwang. Moi, quoi, moi, pembe, y a pété. Un peu de poivre blanc. Assaisonner, bah, tu vas tirer à pé cube, ou tiens cube naio, tiens mon tu pouvais mettre la moutarde, donc, tout ce que vous voulez. C'est un plat assez versatile et facile à faire. Voilà, azokalingango, très doucement. Voilà, pas ici cube na. Un peu de jus de citron. Donc là, je suis presque à la fin de ma cuisson déjà. Mes crevettes se sont tous renfermées. Donc la crevette n'a rien à se souvenir au thé, les mamies bimbaté et goumbami déjà. Et elle est encore tendre et juteuse. Donc le secret est en haut, ça la crevette kokoubisa au thé. Voilà. Tel que vous voyez, mon repas est prêt, très bien servi, très bien garni et ça donne de l'appétit. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Laissez un pouce, de like, recommander et on se retrouve au prochain numéro. Laissez-moi aussi savoir en commentaire avec quoi vous aimerez manger vos crevettes. Bisous, bye!